Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hello le monde. Cette vidéo est pour moi très douloureuse, car pendant longtemps, sous la croyance des anciens, moi aussi, je leur ai tourné le dos. On me disait que c'était des gens bizarres, qu'ils n'étaient pas comme nous. Aujourd'hui, enfin depuis un moment déjà, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai réalisé que ce n'étaient que des êtres humains dans la souffrance, dans l'indifférence de tous. Depuis, je leur envoie beaucoup d'amour, car ils sont très méritants malgré leur façon de vivre. Vidéo. Que dire? Que M. Macron a promis zéro SDF dans les rues? Et qu'en est-il aujourd'hui? De plus en plus de SDF sont venus retrouver les autres. À cela viennent s'ajouter les femmes aussi. Et de plus en plus de jeunes et d'enfants et d'ados. Pourquoi? Plusieurs raisons. Perte d'emploi, divorce, déscolarisation, fugue, etc. Aujourd'hui, 31 000 enfants et adolescents sont actuellement SDF en France. Où donc est passé le projet Macron? Certains ont compris le système et ne veulent plus en faire partie. Certains d'autres, c'est dû à un accident de la vie. Pour eux, c'était provisoire, mais un provisoire qui dure. Heureusement, il arrive souvent à créer des groupes d'entraide entre eux et font appel à leur savoir afin de survivre le mieux possible dans de tristes conditions. La maire de Paris, Madame Hidalgo,
d'y avoir à disposition 16 000 abris et que cela suffit. Sauf qu'il en faudrait au moins plus de 18 000, car cela ne suffit à peine à abriter les enfants. D'ailleurs, dans la mesure zéro SDF, certaines associations, au nombre de 36, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, ont prévu une mesure dans le projet de loi Engagement et proximité, présenté mardi au Sénat, source du 20 minutes journal, mise à jour le 8-10-2019 à 15h04. Cette mesure prévoit: les SDF qui vivent dans la rue risquent une amende de 500 euros pour occupation illégale du domaine public au moyen d'un meublier, ce qui comprend soit une petite tente, un abri de fortune souvent fait de carton, ou encore un matelas. Bravo les associations. Ah, chapeau. Bravo Madame Hidalgo. Et un grand, grand bravo et merci à Monsieur Macron, qui fait vraiment tout ce qu'il peut, mais vraiment tout ce qu'il peut pour voir son projet se réaliser. À n'importe quelle manière. Pour rappel, cela peut arriver à n'importe qui. À moi, à vous, et peut-être même à lui un jour. On ne sait jamais comment va tourner le vent. Heureusement, il y a encore des gens avec du cœur pour leur tendre la main. Et c'est en eux, en fait, que nous donne espoir en l'humanité. Voilà. C'est terrible. On veut accueillir des gens et on n'est encore pas foutu capable d'abriter, de donner un logement à nos propres Français, à nos propres SDF, ceux qui n'ont rien demandé, ceux qui se sont trouvés là, dus aux lois très dures, très compliqué et inadmissible de cette présidence, de ce système. Alors, faisons tous un pas vers eux, car ils ne méritent pas leur sort. Merci à vous. Portez-vous bien. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if